Bienvenue sur la chaîne de Congo-Brazzaville Information. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je suis Lassine Bouti, le directeur général de Congo-Brazzaville Information. Paul Obambi, un milliardaire pas comme les autres. Qui est Paul Obambi? Paul Obambi, né le 13 décembre 1954 à Brazzaville, est un économiste et homme d'affaires congolais. Il est le fondateur et président directeur général de Sapro Group. Il est également le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville depuis 1997. En début 2016, la lettre du continent qualifie Paul Obambi de premier opérateur privé de la République du Congo. Étudiant à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville, Paul Obambi s'est ensuite spécialisé en économie et analyse financière au Centre international de perfectionnement des cadres des postes et télécommunications de Toulouse avant d'obtenir un doctorat en économie. Chef de division puis directeur de l'Office national des postes et télécommunications ONPT au Congo, Paul Obambi rejoindra en 1986 le groupe Pierre Otombongo, spécialisé à l'époque dans le corps gras, la peinture, l'avitaillement maritime, l'informatique ou encore l'hôtellerie. GEPOM comprenait à l'époque 13 sociétés entre Brazzaville et Pointe-Noire, mais aussi des filiales en Afrique du Sud et dans le sud de la France. Il démissionnera 4 ans plus tard de cette entreprise. Ayant fait l'acquisition de la société des déménagements du Congo, Domeco, en 1990, il la revendra pour créer la société Translo, première filiale de Sapo Group en 1992, spécialisée dans le transit des matériels pétroliers et de la gestion du parc à conteneurs de Pointe-Noire. Quand s'amorce la privatisation en 1994, il rachète la savonnerie Savco. L'année suivante, il étend ses activités au BTP par la création de Génie Civil, Travaux et Bâtiments, Gétrab, qui s'est notamment chargé de la construction de la tour de l'Arc, Assurance et Réassurance du Congo, en association avec une entreprise italienne. Fin 2007, il met la main sur Congo Oil, qui devient X Congo Oil pour s'étendre à la distribution de produits pétroliers en République démocratique du Congo. Paul Obambi a été élu puis réélu président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville dès 1998. Paul Obambi est le fondateur et président directeur général de Sapo Group, conglomérat créé en 1992 dont la filiale Energaz en fait partie. Paul Obambi a été décoré grand officier dans l'Ordre national du mérite de la République du Congo le 17 novembre 2006 à Brazzaville. Il est fait chevalier de l'Ordre national du Lion du Sénégal à titre étranger le 13 décembre 2005. Ce grand chef d'entreprise congolais figure dans le classement des 50 premiers managers africains pour l'année 2007. Paul Obambi figure aujourd'hui parmi les hommes les plus riches du Congo selon le magazine Congo-Brazzaville Information, car il compte parmi les lauréats 2010 des bâtisseurs de l'économie africaine, dont la 4e édition s'est tenue le 4 février 2010 à Abidjan. Paul Obambi est marié et père de plusieurs enfants. Merci d'avoir suivi la Cibouti et n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.